Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde complexe du Moyen-Orient pour comprendre qui sont le Hamas, le djihad islamique et le Hezbollah, des organisations qui suscitent de vives préoccupations en Israël. Le Hamas. Origines et objectifs. Le Hamas est un groupe palestinien fondé en 1987, avec pour objectif initial de résister à l'occupation israélienne en Palestine. Idéologie et méthode. Le Hamas se définit comme un mouvement de résistance islamique et son idéologie est basée sur l'islam sunnite. Ils ont utilisé des moyens variés pour atteindre leurs objectifs, y compris la violence. Répercussion, le Hamas a des ramifications politiques et sociales en plus de son aile militaire. Ont provoqué des tensions majeures dans la région. Le Djihad islamique Fondation. Le Djihad islamique est un autre groupe palestinien fondé dans les années 1980, également pour résister à Israël. Idéologie et action. Le Djihad islamique se base sur l'islam chiite et est considéré comme plus radical que le Hamas. Ils ont mené des attaques violentes contre Israël. Conséquence, le Djihad islamique a été impliqué dans des conflits armés et a contribué aux tensions persistantes. Le Hezbollah origine et objectif. Le Hezbollah est un groupe libanais, formé au début des années 1980. Son objectif initial était de résister à l'occupation israélienne au Liban. Idéologie et activité. Le Hezbollah a des liens étroits avec l'Iran et suit l'islam chiite. Il est devenu une puissante force militaire et politique au Liban. Impact régional. Le Hezbollah est devenu un acteur majeur au Moyen-Orient, influençant la politique régionale. Conclusion. En résumé, le Hamas, le Djihad islamique et le Hezbollah sont des organisations qui ont émergé en réaction à l'occupation israélienne. Mais chacune a son propre agenda, idéologie et impact sur la région. Leur existence a certainement contribué à maintenir Israël en état d'alerte. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de vidéos sur des sujets d'actualité et de...